Bonsoir. Je vais vous faire marcher ma flûte, vous allez voir. Et en fait, elle est assez amusante cette flûte. Elle fonctionne comme une flûte si je lui mets du son ici, par exemple. J'ai pas de son pour l'instant, donc je vais le mettre à 10, voilà. Là, vous allez l'entendre. Elle fonctionne comme un saxo parce que la tonalité choisie, c'est saxo. Si je veux la tonalité, ce qu'ils appellent recorder chez les Américains. En fait, c'est comme un pipeau, mais c'est un pipeau électronique, quoi. Vous voyez que ça peut jouer. Tout seul, d'accord? Là, il s'est branché à rien. Si je le branche à mon Do, pas à mon Do, hein, à mon Do qui est à l'écran, donc si je le branche à notre ami Ableton, voilà, ici, vous voyez, ça c'est Ableton, je me sers de cette piste-là, les autres pistes je m'en sers pas. Et ce qui est assez amusant, c'est que ça va me permettre en plus. Donc le son que j'avais avant, je ne l'ai plus. D'ailleurs, il faut que j'enlève le volume, comme ça vous verrez qu'il n'y a plus de son extérieur. Il n'y a que le son qui sort par le Do. Donc voilà, ça c'est un son particulier. Après, on peut mettre ce qu'on veut. Hein. Je peux changer. Vous voyez, je suis en train de changer. Ouais, je dis que le son qui est là, c'est ça. Dessous, j'ai deux boutons qui me permettent de passer en une octave au-dessus, une octave en dessous. Des cloches du matin, des morning bells, on les voit ici, on peut s'en changer en plus, on peut faire plein de choses. L'avantage, c'est que je peux régler l'attaque, le volume, enfin, la vélocité, juste avec mon souffle. Ça, je trouve ça plutôt sympa. Donc, c'est un instrument qui permet, par exemple, de simuler un peu mieux un violon, par exemple. Orchestral brass, orchestral strings. Descend. Prends un violin. Voilà, c'est toujours sur le même instrument, donc toujours sur la même entrée. Vous voyez, on peut faire staccato, on peut faire pizzicato, enfin après, on fait ce qu'on veut, là je fais n'importe quoi parce que j'ai pas d'inspiration spécifique, mais. Et en plus, ce qui est très fort, c'est qu'on peut enregistrer. Et vous allez voir, ça va s'enregistrer en midi. Donc je reste là, j'aurais bien voir ma piste. Regardez la piste qui défile dessous. Donc je suis enregistré en midi. Vous imaginez, c'est un instrument avant qui enregistre ses notes ici en midi. Si je démarre d'ici,
pas perdre de temps, hein. On se met là, voilà. On va pas mettre tout ça non plus, on va juste mettre ça et on va écouter ça. Je ne joue plus et vous entendez, ça joue. C'est magique quand même. Et bien sûr, de la même façon, si je change le violon, ça, le son va changer en même temps. Ah, c'est pas flagrant parce que c'est encore un violon, mais... Si je prends plutôt une contrebasse... Si je prends un violon pizzicato... Et ce sont toujours mes notes qui jouent, hein. Et mon piano... Mon flutio... Il fait pareil, hein. Si je l'arrête là... On voit pas parce que je dois être. Oui. Alors je suis en viola, c'est pas ça. Si je regarde plus proche, bon, violine. Double basse, ça doit être très gras. Alors ça c'est voilà. C'est vraiment en mode. Hein. Allez, j'ai plus la note là, la note n'existe pas là. Je suis trop haut. La note la plus haute de cet instrument, c'est le sol 3. Je pense que c'est ça le 3, si je regarde là. Ouais, c'est. Vous voyez ? Le sol 3 il sort. Donc la note la plus haute laquelle je puisse jouer avec cet instrument, c'est ça. Il sait bien qu'il y a un 3, mais la note n'existe pas sur cet instrument. C'est un double basse, donc voilà. Bon, c'est pas mal fait, hein. Très bien fait, voilà. Bon, c'était juste une petite démo au passage, comme ça, et je vous souhaite la bonne soirée. Je trouve ça assez marrant, voilà. Bon, et vous allez voir tout à l'heure, je ferai une autre prise avec une guitare. Et un logiciel qui permet pareil de transformer l'électricité, en fait, envoyer les signaux audio numériques, enfin, d'abord les signaux électriques qui passent dans la carte son, qui sont transformés en signaux numériques, qui sont envoyés à l'ordinateur, qui lui les traite sur le Digital Audio Workstation, et qui, grâce à un logiciel intermédiaire, ben, transforme encore ces notes en impulsion MIDI, enfin, comment on appelle ça, en commande MIDI. Et on fait la même chose qu'ici, ça vous permet en fait de jouer de la guitare et de s'enregistrer. Alors d'habitude avec la guitare, avant on pouvait juste enregistrer le son, quoi, donc ce que tu joues. Maintenant on peut enregistrer le son toujours, bien sûr, mais aussi on peut enregistrer réellement la mélodie, enfin tout ce qu'on joue, toutes les frappes de notes qui sont activées sur la guitare ou sur l'instrument, quel instrument. Et derrière ça permet de modifier, on peut se faire une mélodie quelconque, trouver un truc sympa, enlever quelques notes, et ça vous fait une improvisation complètement repartie à zéro. Voilà. C'est un système comme un autre, ça permet pas mal de choses. Ça ouvre quand même le champ des possibles. Voilà, bon ben... À bientôt, hein. Salut, bye.